infirmiers, aux policiers, aux pilotes d'avion soumettent leur corps à dure épreuve. En fait, ces travailleurs sont en perpétuel décalage horaire. C'est vrai. Mais des chercheurs de Québec voient de la lumière au bout du tunnel. De la lumière bleue. Comme ici en studio. Le cri des sirènes transperce le silence nocturne. La lueur aveuglante des gyrophares défie l'obscurité. Mais malgré la lumière et le bruit, les policiers ne peuvent ignorer qu'on est en pleine nuit. Parce que leur horloge biologique, elle, le sait trop bien. Il est 5 heures du matin et le sommeil les rattrape. Tous les travailleurs de nuit doivent parfois lutter contre le sommeil. Mais il y a peut-être une solution. Le problème qu'on a avec les travailleurs de nuit, et entre autres les policiers, c'est la baisse de vigilance qui est assez... que tout le monde subit la nuit. Marc Hébert est neurobiologiste au Centre de recherche Université Laval Robert Giffard. Il veut mieux comprendre l'horloge biologique humaine pour accroître la vigilance des travailleurs de nuit. Donc, on veut annuler cette baisse de vigilance-là importante, surtout pour quelqu'un qui est au volant d'une voiture. C'est ce qu'on recherche principalement avec les policiers en ce moment. Ce qu'on fait, c'est essayer de créer un décalage horaire artificiel pour faciliter, dans le fond, leur vigilance la nuit et le sommeil le jour aussi, qui les deux sont affectés dans ce cas-là. Alexandre Sasseville est étudiant au doctorat en neurobiologie. Il cherche à resynchroniser l'horloge biologique des travailleurs de nuit. Le problème des travailleurs de nuit, c'est qu'ils ne s'adaptent jamais vraiment à leur horaire. Leur horloge biologique reste synchronisée à un horaire diurne. Et puis, ils ne vont jamais vraiment s'adapter à un horaire nocturne. C'est à partir du cerveau que l'horloge biologique impose au corps entier son inéluctable tic-tac. L'horloge, son rôle, elle, c'est un peu un chef d'orchestre. C'est de générer les bons rythmes au bon moment, les synchroniser entre eux pour produire l'éveil le jour et le sommeil la nuit. La meilleure façon de synchroniser l'horloge biologique que l'on connaît en ce moment, c'est vraiment la lumière. Car la lumière, en frappant des récepteurs situés sur la rétine de l'œil, envoie aussitôt un signal nerveux sans équivoque à l'horloge. Donc, l'horloge biologique va recevoir un influx nerveux à partir de la rétine, qui est la partie neurale de l'œil. Donc, la lumière rentre par l'œil. La rétine va transmettre à l'hypothalamus, qui est le site de l'horloge biologique, et va générer tous les rythmes où on doit être actif le jour. Aussitôt qu'il reçoit ce signal, l'hypothalamus interrompt la sécrétion de la mélatonine, une hormone qui régule l'ensemble des rythmes biologiques. La mélatonine, c'est une hormone qui est produite par la glande pinéale, qui est située au milieu du cerveau. Et la mélatonine va être libérée dans le sang, puis va permettre au reste du corps d'être au courant, en fait, de si c'est la nuit ou si c'est le jour. Parce que la mélatonine est produite seulement durant la nuit, quand l'horloge biologique enclenche la production. Dès que le soleil se couche, la sécrétion de mélatonine commence. S'ensuit une cascade de modifications dans le métabolisme, dont une chute de la température corporelle qui atteint son plus bas niveau vers les 5 heures du matin. La température étant plus basse, c'est un peu comme un état d'hibernation pour la personne. Donc la personne, ça facilite beaucoup le sommeil, mais ça ne facilite pas la vigilance, évidemment. Pour retarder cette baisse de vigilance de quelques heures, il faut donc décaler la production de mélatonine avec de la lumière. Mais pas n'importe quelle lumière. L'horloge biologique est sensible particulièrement au bleu. On sait que le bleu va activer à très faible intensité l'horloge biologique, d'où l'intérêt pour nos patrouilleurs, parce que dans une voiture, on ne peut pas exposer quelqu'un à des lumières de forte intensité. Ça va aveugler le conducteur, il ne pourra pas conduire. Même à très faible intensité, la lumière bleue est instantanément reconnue par l'horloge biologique. La lumière du soleil, qui paraît blanche le matin, contient en fait une forte proportion de bleu. Un signal que notre corps aurait appris à reconnaître après des millions d'années d'évolution. Donc peut-être que la nature est bien faite en soi. Le matin, on se synchronise avec une lumière plus bleutée et le soir, on se prépare au sommeil avec une lumière qui contient beaucoup moins de bleu. Marc Hébert veut maintenant tirer profit de ce phénomène en installant des lumières bleues à bord des autopatrouilles. Donc, l'étude qu'on fait ici avec les patrouilleurs de Québec, c'est une étude où on va évaluer les effets de la lumière sur le travailleur. On a la condition bleue ici, 4 nuits consécutives, exposition de début du travail vers 11 heures jusqu'à 5 heures du matin. On va avoir ensuite une condition de lumière rouge qui, pour nous, est un placebo. Et on va avoir une condition sans lumière afin d'évaluer le niveau de base du travailleur. Après leur nuit de travail, les policiers portent des lunettes orangées. Ces filtres bloquent la portion bleue de la lumière solaire du matin et les préparent donc au sommeil.
Si ça va faire, ce qui va faire une nuit artificielle, on va aveugler spécifiquement l'horloge biologique. Il va y avoir une augmentation de production de mélatonine à 5 heures du matin quand les lunettes vont être portées. Puis ça va indiquer au corps que la nuit est plus tard. Et plus ça va aller avec le déplacement justement de la production de mélatonine, elle va être produite de plus en plus tard dans la journée, ce qui va permettre d'améliorer le sommeil, en fait. Pour chacune des trois différentes conditions expérimentales, les policiers seront soumis à une panoplie de tests. Les mesures qu'on prend, c'est les temps de réaction au début et à la fin de chaque quart. Et on prend aussi des tests de vigilance durant la nuit. La personne évalue de façon subjective son état de vigilance à toutes les deux heures. La portion labo de l'expérience comprend prélèvement et analyse de salive. Il va avoir des anticorps qui vont détecter la mélatonine. Puis nous, après ça, par spectroscopie, on va pouvoir savoir c'est quoi la quantité de mélatonine qui est dans la salive. Tout ça dans un seul et unique but, mieux comprendre les effets de la lumière bleue sur l'horloge biologique pour éventuellement influencer cette mécanique fort complexe. On espère avoir un système qui peut s'adapter au plus grand nombre de personnes pour essayer d'aider le plus grand nombre de travailleurs de nuit possible. La meilleure solution, finalement, ce serait d'enrayer le travail de nuit. Sauf qu'on a besoin de nos services d'urgence la nuit, ce qui fait qu'on n'a pas bien le choix dans notre société industrialisée d'avoir le travail de nuit. Donc, à ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est de trouver des solutions, pallier un peu au problème en essayant d'améliorer la qualité de vie de ces personnes-là. Marie-Pierre, est-ce qu'ils sont nombreux au pays, les travailleurs de nuit? Oui, ils sont plus nombreux qu'on pense. Hein. Grosso modo, c'est 3 millions de travailleurs au pays. C'est énorme! Oui, si on inclut ceux qui travaillent de nuit à temps plein et ceux qui le font selon un horaire rotatif. Donc, c'est vraiment important d'étudier ce problème-là. Oui, d'autant qu'il y a vraiment des risques accrus pour la santé. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les récepteurs de mélatonine, ils ne sont pas seulement impliqués dans le cycle sommeil-veille. Ils sont situés partout dans le corps, dans tout plein d'organes. Donc, évidemment, il y a des conséquences, là, des risques accrus de cancer, diabète, obésité, maladie cardiovasculaire. D'où l'importance de ces études-là. Très important. Quand on parle de luminothérapie, est-ce que c'est semblable aux lumières blanches qu'on va installer pour traiter la dépression saisonnière, par exemple? Mais oui et non. Ça se distingue quand même de ces outils-là parce que l'avantage de la lumière bleue, c'est de pouvoir l'utiliser à très, très faible intensité. Mais contrairement à une lampe très puissante qu'on se mettrait en plein visage. Avec seulement du blanc. Donc, ça permet de concevoir des outils beaucoup plus portatifs, comme par exemple, ils m'ont montré des espèces de casques qui projettent une lumière bleue pour aider les travailleurs de nuit. Ça fait un peu Star Trek. Oui, on peut penser aussi aux lunettes oranges, comme celles qu'on a vues dans le reportage. Et puis, je pense qu'ils ont aussi une panoplie d'autres outils. Hein. Ils veulent vraiment, c'est le but de leur recherche, au-delà de la curiosité scientifique. Développer quelque chose de pratique. Du concret pour aider ces gens-là. Quels résultats ont-ils à leur actif jusqu'à présent? Pour l'instant, c'est très, très préliminaire. Il y a les résultats qui sont sortis pour un policier. OK, donc statistiquement, c'est peut-être pas encore tout à fait au point. Là. Non, mais à tout le moins, ça va dans la direction qu'ils espéraient et qu'ils croyaient, à savoir un décalage de 4 heures dans la production de mélatonine, ce qui voudrait dire que la lumière bleue les aide bel et bien à rester réveillés la nuit et mieux dormir le jour. Alors, j'installe une petite lumière bleue dans ma voiture dès demain. Merci beaucoup, Marie-Pierre.